Oui, ça avait fait contraste, effectivement, avec ce qu'on a vu jusqu'ici, avant le match à Ottawa. Oh, belle incursion, Galchenyuk qui sortit, qui rate tout juste à la gauche de Ryan Miller. Galchenyuk reprend, remet ensuite vers Markov. Markov tire, la rondelle va dévier derrière le filet. Voilà Desharnais qui reprend maintenant. Desharnais passe à Galchenyuk. Passe vive devant le filet. Et c'était voulu, hein. Eric Cole était là, mais n'a jamais été en mesure. Punisme qu'on avait vu précédemment cette saison. Je suis d'accord avec toi. On aurait manqué un peu de finition. Et ce qui est toujours dangereux quand on domine allègrement une période comme celle-ci. Avec le jeune homme. Christian Pommeville a dit entre autres qu'il avait appris à être un vrai professionnel. Un 2 contre 1, Marc Gallagher vers Galchenyuk. Gallagher! C'est pas Galchenyuk, la rondelle a touché le bâton de Christian Erhoff. C'est 2-0. Et le travail de Bourque va coïncider avec la fin de la pénalité à Yemelin. Alors une bonne présence encore pour René Bourque. Quel contraste, Marc, entre cette saison pour Bourque par rapport à l'an dernier. Et on part d'intercept, et tire, allez, malgré lui, presque. Il saisit derrière lui, fait dévier pour lui-même. Pominville et Cole s'amène pour le disque. Et Pominville gagne la course, et voilà Cody Hodgson. Il est rapide, s'avance, le tir, et un super arrêt de Carey Price. Il y aura cependant pénalité, piqué sur bande, réplique, ou enfin, plaide sa cause. Il est chassé pour 2 minutes. On a vu la vitesse de Hodgson qui décampe alors que cette rondelle est libre en territoire central. Piqué Subban dans son repli. C'est pas fait avec énormément de conviction alors qu'on l'ennuie quelque peu. Price qui effectue un super filet. Et voilà Desharnais d'une main vers Heller. Heller cherche une option à Desharnais derrière. Son tir! Ben, ça complète. On met du côté droit vers Galchenyuk. Galchenyuk dribble bien. Voilà Heller. Marquage de Yemelin, et voilà un 2 contre 1 et même un 3 contre 1, mené par Plekanec. La passe de tir. Bienvenue dans le match. Jonas Enroth, c'est 5-0. Ce trio-là s'impose véritablement. Par Sulzer, intervention de Diaz à la ligne bleue. Il rate sa passe, et l'attention, Vanek s'amène seul devant Price. Vanek tire. Thomas Vanek. Eh bien, quel début de saison extraordinaire pour Vanek. Ennis s'amène en contre-attaque avec cette passe du côté droit à Foligno, à Ennis. Ennis qui est rejoint par Subban. Foligno derrière le filet, rejoint lui par Bouillon. Stafford repousse la rondelle vers Ennis. Une passe vers l'enclave. Et Léopold ensuite. Ayerhoff tire et c'est bloqué par Carey Price. Il a complété ce déplacement. Passe ensuite du côté droit vers Pominville. De Pominville à Erhoff. Une feinte de tir. Il remet derrière à Pominville. Et là, cette fois, c'est Price qui avait bien aperçu la rondelle. Il n'y aura pas de retour. Heller remet ensuite derrière le filet à Desharnais. Subban maintenant. Tire. Le retour à Edouard. Dès le départ, a pris le contrôle de ce match. Tout a explosé en deuxième période. Et la rencontre est terminée. Victoire décisive. 6-1.